Bonjour, je m'appelle Christian Reynaud, je suis directeur de la cave de Font-Joya et je vais vous présenter la cuvée 1000 années-lumière sélectionnée par match. La cave de Font-Joya se situe sur Saint-Saturnin, un petit village qui est à 40 km au nord de Montpellier et qui est un vignoble historique de l'appellation Languedoc. La force de Font-Joya, c'est que c'est une cave qui produit son vin et depuis sa création, l'a toujours commercialisé en bouteille, principalement avec des rouges donc appellation, quelques IGP et aussi des rosés, puisqu'historiquement on a toujours fait des rosés sur l'appellation Saint-Saturnin. Aujourd'hui, on a entamé une démarche HVE, mais depuis quelques années, on a surtout fait de la confusion sexuelle, et ce qui nécessite plus d'utilisation d'insecticides. Nous avons eu des contacts avec Match, où ils sont venus visiter le vignoble, visiter la cave, ont été satisfaits des dégustations, et on a créé en collaboration cette cuvée, donc 1000 années-lumière. Le titre est tiré d'une œuvre de Masrouket, qui est un poète occitan et qui vivait au village de Saint-Saturnin. Donc on a créé ce profil produit qui correspondait un peu à nos valeurs, avec un produit chaud, bien méridional, qui correspondait un peu à l'image de Match, avec un produit de terroir et qualitatif. Donc ça c'est une cuvée en appellation Saint-Saturnin avec une base principale de grenache avec quelque chose d'assez fruité mais également un peu de syrah et de mourvèdre. Donc c'est un vin qui est sur le fruit avec quelques notes de fruits à l'alcool avec une bouche assez ample, onctueuse, avec beaucoup de sucrosité et une très belle longueur, des tanins très soyeux et très fins. Je vous le conseillerais en entrée avec une caillette que l'on retrouve sur les côtes du Larzac et ensuite accompagnée d'une côte de bœuf faite au feu de bois avec un peu de romarin et de thym assaisonné qui est tout à fait indiqué pour ce vin-là.